Bonjour à tous, je vous laisse choisir votre carte. À tout de suite. Vous avez la possibilité de choisir la carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ou vous avez la possibilité de choisir les trois cartes, deux cartes ou une seule carte. C'est à vous de choisir. Vous avez choisi la première carte, l'ange mauve, le point du jour. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée, profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme avec l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Vous avez choisi la deuxième carte, deux petites sorcières, un espace magique de purification. Faites en sorte que vos tâches servent deux buts. Il est temps de procéder à une purification et à une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières avec leur balai magique se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête. Que ce soit votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Vous ne pouvez le faire immédiatement. Alors contentez-vous de petits gestes symboliques en changeant les meubles de place et en vous débarrassant d'objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Vous avez choisi la troisième carte, la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Cette carte parle de sentiments, d'idéalisation et d'attachement au passé. Un refus de surmonter le chagrin, d'avoir perdu un amoureux, un partenaire ou simplement une relation. Vous êtes en deuil de ce qui a été et ce qui aurait dû être. C'est une tristesse profonde et pourtant, cette expérience a une grande valeur pour vous. À présent, il est temps de reprendre votre route et d'enterrer le passé. Quand cette fée apparaît dans votre jeu, il est très utile de travailler avec l'élémentaire. Vous pourriez planter un arbre du souvenir, une chose terrestre qui poussera et changera pour commémorer votre amour perdu. Au fur et à mesure de l'absence, vos souvenirs deviendront plus doux et votre douleur et votre amertume s'amenuiseront. La terre prend et transforme ce que nous lui donnons pour nous le rendre sous une nouvelle forme. Le moment est venu pour vous de cesser de vous cramponner à ce qui n'est plus depuis longtemps. Faites votre deuil et revenez-nous prêts à vivre de nouveau.